qu'en voyant le titre du colloque, je me suis dit que je pouvais me poser une interrogation. Et donc, c'est le titre, cela m'a amené au titre de ma communication, Centre culturel et politique d'immigration choisi. Deux points, la France envoie-t-elle des signaux contradictoires à l'Afrique noire francophone? Alors, la présence institutionnelle française dans les pays francophones d'Afrique noire se manifeste bien sûr par les ambassades, les consulats, etc., et les très réputées écoles françaises, mais il y a aussi les centres culturels français qu'on appelle communément CCF. Alors, quelle est l'importance et la mission de CCF dans ces pays francophones africains? En parallèle à cette question, je vais essayer de me poser la question, à savoir, ces centres culturels français qui sont établis de longue date font créer une relation privilégiée entre ces pays et la France. Par contre, l'actuel président français vient, par sa politique d'immigration choisie, de durcir encore davantage l'accès des Africains, pas seulement des Africains, mais des étrangers, mais des Africains, puisque c'est eux qui m'intéressent, à la France. Alors, je tenterai ici d'analyser rapidement les réactions suscitées par cette politique et les implications de ces deux orientations. Et puis je vais voir les conséquences à plus ou moins long terme. Alors, la mission des centres culturels français. Le centre culturel français, je vais parler de Bamako, Cotonou et Libreville. Le centre culturel français de Bamako dit appartenir, citation, au réseau d'établissements culturels français relevant du ministère des Affaires étrangères en Afrique et dans le monde. Instrument de culture et de coopération. Il obéit à une double vocation. D'abord, la mise en valeur de la culture française et européenne au travers de ses productions, donc art visuel, cinéma, spectacle vivant, etc. Et deuxièmement, la mise en valeur au Mali et en France des formes artistiques et culturelles maliennes par une aide à l'expression artistique et intellectuelle. Ça, en gros, c'est la mission. Et ça s'apparente dans tous les pays. L'organisation d'un centre culturel français. Les CCF sont des lieux incontournables pour la jeunesse et pour les artistes, et puis pour monsieur tout le monde. Mais j'aimerais insister particulièrement sur l'importance de la médiathèque d'un centre culturel en Afrique. Les jeunes et les moins jeunes, étudiants et chercheurs, y trouvent notamment des ressources à travers la bibliothèque jeunesse et la bibliothèque adulte. Et ceci n'est pas un détail, puisque dans nombre de ces pays, les universités n'ont pas de bibliothèque digne de ce nom. D'ailleurs, le Centre culturel français Saint-Exupéry de Libreville affirme fièrement, citation, par ses collections et sa fréquentation, la bibliothèque du Centre culturel français de Libreville est la première bibliothèque du Gabon, un lieu incontournable pour celui qui souhaite s'informer, se cultiver et se former. Je vais donner à peu près un portrait sommaire de la médiathèque du CCF en prenant l'exemple de Cotonou. Alors, le CCF de Cotonou, c'est 60 000 prêts par an, pour environ 3 500 à 4 000 adhérents pour une année. La bibliothèque adulte a 23 000 livres en prêt ou en consultation sur place, toutes sortes de documents, des romans, des livres universitaires et une impressionnante collection de bandes dessinées. La bibliothèque jeunesse a 7 000 livres. Bon, il y a des CD-ROM, une cinquantaine. Le CCF offre aussi des animations pour les jeunes, donc des contes, des projections de films. Il y a un espace multimédia. En particulier, il y a 80 abonnements à la presse française et c'est un endroit qui est très très fréquenté. À l'intérieur des CCF, il y a ce qu'on appelle le concept Campus France. Il n'y en a pas à Cotonou, mais il y en a à Libreville et Bamako. C'est un espace où on donne de l'information aux jeunes sur les études en France, comment faire pour aller étudier, tous les détails. L'adhésion à un CCF, il en coûte 1 800 francs CFA. J'ai essayé de calculer un dollar canadien faisant environ 417 dollars, donc c'est 4 dollars et 32. Pour un expatrié, c'est 3 500 francs CFA, ce qui fait 8 dollars et 40. Mais il faut dire que c'est un ordre de grandeur assez trompeur, puisque 3 500 ou même 1 800 francs CFA, ce n'est pas donné à tout le monde non plus en Afrique.
Alors, un CCF, c'est aussi des espaces réservés à des expositions pour des œuvres d'art, sculptures, peintures, etc., qui donnent beaucoup de visibilité aux artistes locaux. Les CCF sont aussi liés à un nombre de manifestations à visée internationale. Donc, à Bamako, par exemple, il y a la Biennale des Arts, les rencontres de la photographie africaine, le festival Écran Libre, le festival Étonnant Voyageur. Pour vous donner un exemple aussi pour le cinéma, actuellement à Libreville, il y a une semaine culturelle allemande. Donc il y a un concert et trois films. Et ça, c'est du 15 au 18 octobre, donc c'est en ce moment même. Et après, il y aura une semaine culturelle italienne du 21 au 24. Par ailleurs, le 31 octobre, il y aura un concert de Pierre Akindenge, une star locale. Tout ça pour montrer que le centre culturel français dans ces pays, c'est vraiment, là j'exagère, mais c'est une réalité, c'est là où la culture tourne dans ces pays. La France finance ce réseau de structures culturelles qui emploient du personnel local essentiellement. Elle fait donc rayonner sa culture et celle des autres. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter, puisque le livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France pour l'horizon 2008-2020, qui a été remis le 11 juillet dernier à Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, par Alain Juppé et Louis Schweitzer, ce livre blanc donne 12 propositions pour la réforme de l'action extérieure. Et parmi ces propositions, il est prévu une fusion des services et des centres culturels avec des mesures d'adaptation en fonction de la taille des pays. Donc ça veut dire que la France, dans sa vision de politique étrangère, a à cœur les centres culturels français. Or, depuis les années 1990, il faut admettre que les conditions d'entrée en France se sont resserrées de plus en plus, y compris pour les étudiants. Et cette jeunesse africaine, et ça c'est très important de le souligner et de le comprendre, cette jeunesse africaine qui a été bercée et éduquée tout le temps sous le signe de la France, pour cette jeunesse, donc, il paraît logique, un jour ou l'autre, d'aller en France. En effet, les liens avec la France, ancienne puissance coloniale, principal partenaire commercial, principal contributeur de l'aide publique au développement, sont très forts, très très forts. Et cela, pour cette jeunesse, la France fait partie du soi. Alors, elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui mettrait les bâtons de la roue pour aller vers ce qui fait partie du soi. Surtout que, beaucoup vous diront que pour avoir un grand-parent, un grand-oncle ou des aïeux qui sont ce qu'on appelle des anciens combattants, qui sont allés sauver la France, entre guillemets, pendant les deux guerres mondiales, tout ça là, ça contribue à l'aspect de dire que la France nous appartient. On n'a pas à nous empêcher d'aller en France. Pourtant, ce n'est pas certainement la philosophie qui prévaut du côté de l'Hexagone. En effet, depuis l'arrivée du nouveau président Nicolas Sarkozy, les conditions d'entrée en France se sont davantage resserrées avec sa politique d'immigration choisie et de co-développement. Mais que peut-on en retenir de façon succincte? Alors, le président Sarkozy a créé, c'est lui qui a créé ce ministère, ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Développement solidaire, avant, c'était co-développement. Alors, il faut préciser que pour Nicolas Sarkozy, l'immigration choisie est celle qui s'oppose à l'immigration subie. Donc, cette politique prévoit un durcissement des règles d'entrée et de séjour des immigrants étrangers en France. Le titulaire de ce ministère, c'est Brice Hortefeux, un proche du président. Et ce ministère regroupe des compétences qui appartenaient avant au ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires sociales et des Affaires étrangères. Donc, c'est vraiment large. Et les compétences vont de la naturalisation à la collecte des données d'immigration, l'intégration des populations immigrées, les règles relatives à l'entrée, du séjour, à l'exercice de l'activité professionnelle. Donc, pour Hortefeux, il qualifie de ferme et d'humain les quatre objectifs que je vais énoncer tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, maîtrise des flux migratoires, favoriser l'intégration, promouvoir l'identité française et encourager le co-développement. Alors, ce dernier objectif co-développement vise, citation, à donner aux États du Sud et à leurs ressortissants les moyens d'avoir confiance en eux et de construire un avenir sur leur territoire.
Et donc Brice Hortefeux est allé dans certains pays en Afrique pour signer des accords bilatéraux pour mettre en œuvre sa politique, notamment au Gabon, au Sénégal, au Congo-Brazzaville. Et le deal, en fait, si je peux me permettre le terme, c'est que la France ouvre, dans le cas du Sénégal par exemple, la France ouvre un certain nombre d'emplois aux Sénégalais, 108 emplois, il me semble. Et en contrepartie, le Sénégal accepte de coopérer dans l'expulsion des Sénégalais en situation irrégulière en France. Sauf que l'une des critiques, c'est que ces immigrants sénégalais en France occupent déjà une partie de ces emplois, dont maintenant on dit ouvrir officiellement. Et une autre critique, par contre, c'est que cette politique avait, d'une part, c'était 108 pour le Sénégal, mais il y a 152 emplois ouverts, y compris aux pays nouvellement entrés dans l'Union européenne, et une trentaine d'emplois extrêmement qualifiés, donc qui requièrent un diplôme universitaire. Et l'une des critiques en Afrique, c'est que si on fait une politique d'immigration choisie, où on veut piocher des qualifications dont on a besoin et qui sont en manque en France, mais ça contribue davantage à appauvrir l'Afrique, alors que le co-développement, on veut que l'Afrique se développe. Les nombreuses réactions. Alors, sur la chaîne LCI, le ministre Hortefeux avait affirmé que le quota de 25 000 expulsions serait atteint en 2007. Pour Joachim Mazané, qui est le secrétaire national de l'UNSA, qui est le principal syndicat de gardiens de la paix, citation, cela fait même partie de notre travail. Mais nous ne voulons pas que soit fixé un quota pour les êtres humains. C'est ridicule, surtout au pays des droits de l'homme. Fin de citation. La grogne a atteint aussi des associations comme Amnesty International et même les syndicats d'Air France, puisque c'est Air France la plupart du temps qui expulse ces étrangers en situation irrégulière. L'association du Conseil d'identité nationale, particulièrement, a irrité le monde scientifique et a entraîné la démission fracassante de 8 universitaires des instances de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Ceux-là ont qualifié qu'il était inacceptable pour un ministère de il était inacceptable l'idée d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Patrick Veil, qui est l'un des signataires, a affirmé au Nouvel Observateur, citation, l'association de l'immigration et de l'identité nationale est inacceptable. Il a ajouté à l'AFP que c'est une honte. Au moment où tant de gens se rallient en trouvant formidable de faire partie d'un gouvernement moderne, il faut rappeler qu'il y a autre chose qui n'a rien de moderne et au contraire effrayant de la création de cette administration. Le texte de ces huit universitaires dénonçait notamment un nationalisme fondé sur la méfiance et l'hostilité aux étrangers dans les moments de crise. Par ailleurs, le président Sarkozy lui-même a nommé Pierre Mazeaud, qui est ancien président du Conseil constitutionnel et un gaulliste, donc un ami politique. Il lui a donné la mission, par une commission donc, de juger de la constitutionnalité de cette politique d'immigration. Et le constat de 16, des 13, ça je pense qu'ils sont 13, est sans appel. Alors, ils ont jugé que, parce que Brice Hortefeux disait qu'il est normal d'avoir des quotas par catégorie et par profession, ça se fait partout dans tous les pays. Pierre Mazeaud et les autres sages ont dit que ça ne se passe nulle part en Europe. Et ils ont jugé qu'il était inutile et irréalisable de faire des quotas. Les réactions en Afrique, très rapidement, sont d'abord de la consternation, évidemment, vu ce que j'ai dit au départ. Les gens sont consternés. D'abord, ceux qui sont en Afrique qui veulent aller en France, mais ceux qui sont en France et qui sont en situation irrégulière, qui vivent avec la peur dans toutes les gares, dans tous les arrêts d'autobus, de se faire arrêter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et de se faire expulser. Donc ils vivent vraiment dans cette crainte. Et ça, c'est ressenti évidemment en Afrique aussi. La cité de l'histoire de l'immigration dont j'ai fait part existe par ailleurs depuis 2005 et c'est Jacques Touban, un ancien garde des Sceaux,
qui en est le président du conseil d'orientation. Je voudrais terminer par la réaction d'Abdou Diouf, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça tombe bien puisqu'on est en pleine période de la francophonie. Il affirmait en mars 2003 que, parce qu'à l'époque ce n'était qu'un projet de loi, il s'est indigné en disant, citation, « Je ne peux pas accepter que la France dise unilatéralement « Je choisis les immigrés diplômés de telle catégorie et tous les autres, je n'en veux pas. » Il s'est déclaré en revanche favorable à un trilogue entre les pays émetteurs d'immigration, les pays de transit et les pays d'accueil au niveau de l'Union européenne. Abdou Diouf s'est déclaré par ailleurs favorable à une immigration régulée plutôt qu'une immigration choisie. En conclusion, je voudrais juste souligner qu'avec son intérêt de promouvoir sa culture, d'une part, et la fermeture de ses frontières à l'immigration africaine, d'autre part, donc finalement, parce que c'est la France qui a poussé la main de l'Europe, et l'Europe, en ce moment, est en train d'adopter une politique commune et similaire de durcissement sur l'immigration. La France ne risque-t-elle pas de contrarier les pays africains qui seront tentés de s'ouvrir davantage aux autres puissances? Les Allemands, Américains, Chinois et Russes, par ailleurs, ont aussi des centres culturels en Afrique, offrent aussi des bourses aux étudiants. Et pour bien comprendre le risque de perte, si vous voulez, de l'influence, de l'importance de la France en Afrique, c'est plus dans le domaine économique que cela se voit. Les entreprises françaises peuvent en témoigner, elles qui perdent de plus en plus des parts de marché au profit de la Chine. Et pour terminer, dernière nouvelle que je viens d'apprendre et signe des temps, alors qu'on apprend que le Rwanda a choisi de faire de l'anglais sa langue officielle, en délaissant le français, je vais terminer par cette interrogation. La France ne doit-elle pas faire un traitement de faveur aux pays africains francophones? Merci.